Amis ciotadennes, amis ciotadins et amis d'ailleurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller boire un café avec Hélène, restauratrice de la pêcherie. Suivez-nous. Bonjour Hélène, pourriez-vous nous dire si vous allez rester ouvert durant la période de travaux ? Oui, certainement. Je pense que je vais rester ouvert le plus possible. Peut-être juste quand il va y avoir des travaux. Je ne sais pas s'il va y avoir des travaux exactement devant le restaurant, mais bon, si ça dure quelques jours, je fermerai peut-être quelques jours, juste qu'on n'ait pas trop de poussière et de bruit. Mais autrement, oui, on reste ouvert. Bien sûr, on compte rester ouvert toute l'année. Tous les jeudis soirs, on fait des live musique. On a commencé hier soir. Et en fait, bon, on n'avait pas encore vraiment les grilles devant, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir énormément de monde. Parce que j'ai de la chance, moi, d'avoir une salle intérieure, ce que d'autres commerçants n'ont peut-être pas. Vous êtes ouvert ? À la pêcherie, on est ouvert. À la marine, c'est ouvert. Les lampions, c'est ouvert. L'escalier, c'est ouvert. L'italien, en face, il est ouvert. Le chantier, il est ouvert. Toute la place d'escalier, tous les restaurants sont ouverts et sont assez positifs. Au niveau du midi, parce qu'on sait déjà qu'il y a quand même le chantier naval qui nous sauve avec les repas des ouvriers du chantier naval. Après, le soir, ça reste un petit peu plus complexe. Et que pensez-vous de ces travaux d'aménagement du Port Vieux ? Ben, c'est sûr que pour le moment, on est un peu, on va dire, dans le négatif, parce que c'est vrai qu'on va un peu souffrir, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va être super beau. Le maire a fait beaucoup de choses, énormément de choses. La ville s'est vachement agrandie, il y a beaucoup de pour les enfants, il y a de tout maintenant. C'est vrai qu'il manquait, en fait, ça et le centre-ville aussi. Voilà, le centre-ville qu'il faut aussi qu'il rénove, mais le port avait vraiment besoin. Surtout qu'en plus, il y a énormément d'équipages, énormément de bateaux qui arrivent sur la Ciotat pour le chantier naval, tout ce qu'ils ont fait. Et c'est clair qu'on avait besoin d'avoir un petit coup de port vieux qui soit renouvelé. D'accord. Bon, ben, très bien. Merci beaucoup.